Dans cette leçon, on va traiter l'association de résistance. Premièrement, association en série. On a là de résistance en série. On cherche la résistance équivalente qui va remplacer les deux résistances. Ou bien, est-ce qu'on peut remplacer cette résistance équivalente par deux résistances en série? Schématiser la flèche courant. C'est la même intensité pour que cette résistance équivalente remplace les deux résistances. La tension dans le sens contraire, UAB. Le courant dans ce sens, la tension U2. Et la tension U1. On voit que UAB est égal à U1 plus U2. On exprime les tensions selon la loi d'Ohm. R équivalent fois I. R1 fois I. Plus R2. I simplifié par l'intensité, on aura la R équivalente, c'est R1 plus R2. Lorsqu'on fait associer plusieurs résistances en série, la résistance équivalente série est égale à la somme de toutes les résistances qui sont mises en série. R1 égale 330 ohms, R2 égale 220 ohms, on aura là R équivalente égale 550 ohms. À l'aide de l'ohmmètre, on peut vérifier cette relation. On va choisir un calibre supérieur aux résistances mesurées. Donc on utilise là 2000 ohms. On mesure la première résistance. Là, on aura 220, 26, 220. Là, on aura 330 à peu près. Lorsque les deux résistances sont mises en série, on va voir, voilà, 550 ohms à peu près. L'utilité de ce montage, faire augmenter la valeur de la résistance. Une autre utilité, c'est que le montage série permet d'appliquer une tension élevée que R1 ou R2 ne peut pas supportée toute seule. Le montage série permet d'appliquer une tension élevée qu'une résistance ne peut pas supporter toute seule. On passe au paragraphe suivant, association en parallèle. Dans ce montage, on cherche à remplacer par exemple R1 et R2 en parallèle par une résistance équivalente ou l'inverse. Si on n'a pas de valeur exacte pour R' équivalente, est-ce qu'on peut la remplacer par deux résistances en parallèle? Quelle relation y a-t-il entre les résistances? Voilà, au nœud A, on aura là avoir l'intensité est 1 et l'intensité est 2. La tension U1 dans le sens contraire. Là encore, la tension U2. Dans ce cas, on aura UAB. En appliquant la loi des nœuds, on a l'intensité I qui est égale à l'intensité E1 plus E2. Ce qui concerne les flèches tension, on voit que UAB égale U1 égale U2. L'expression de la loi d'Ohm, UAB égale R' équivalente fois l'intensité, U1 égale R1 fois E1 et R2, U2 est égal à R2 fois U2. On peut remplacer l'intensité I par UAB sur R' équivalente qui est égal à I1. I1 soit remplacé par U1 sur R1 plus U2. C'est U2 sur R2, on peut simplifier par les tensions puisque les tensions sont égales, implique que 1 sur R' équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on avait plusieurs résistances en parallèle, 1 sur R' équivalent égale la somme
de l'inverse des résistances Ri associées en parallèle. Exemple R1 égale 39 kilo-ohms, R2 égale 56 kilo-ohms. Calculer R' équivalente. On applique la relation 1 sur R' équivalente. Donc c'est mieux d'utiliser une calculatrice. On a là 39 x moins 1, c'est l'inverse, plus l'inverse de 56, c'est 56 à la puissance moins 1. Le tout est égal. Ce résultat-là, c'est 1 sur R', ce qui fait on doit encore faire l'inverse, insérer le résultat. X moins 1 est égal à peu près 23 kilo-ohms. R prime équivalente à peu près 23 kilo-ohms. Le montage parallèle fait passer une intensité élevée qu'une résistance ne peut pas supporter toute seule. On passe maintenant à un exercice. Considérons le montage suivant qui comprend R3 et R4 en série qui sont en parallèle avec R2. On a encore une résistance R1. La question, c'est de calculer la résistance équivalente RAB à l'association. Réponse, on commence par calculer R3 et R4 qui sont montés en série. R3 plus R4, 0, 4 et 10. Voilà. On passe au calcul de R2 qui est en parallèle avec R3, R4. Donc 1 sur R2, 3, 4 est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3, 4. Passe à la calculatrice. R 2, 3, 4 qui est égal à 3,7 ohms. Donc la résistance de l'association RAB est égal, donc le montage devient sous cette forme là R1 plus en série avec R2, 3, 4. R1, 330 plus R2, 4, 323,7 est égal 3, 5, 6. On passe à l'exercice. Considérons le montage ci-contre. R3 et R4 en parallèle parce qu'ils sont traversés par des courants différents. R2 et l'ampère-mètre sont montés en série parce qu'ils sont traversés par la même intensité de courant. R1 et le générateur sont montés en parallèle. Passons à la première question. Représentez dans chaque branche le sens du courant et les flèches tension. On commence toujours par l'intensité principale, I, qui va se diviser en I1, et une autre intensité, là, I3, I4. En arrivant à ce nœud, ils vont construire I2. I2, on passe aux flèches tension. Au bord d'un générateur, on oriente la flèche dans le sens du courant. C'est ce qu'on appelle la convention générateur. Au bord de R1, c'est un récepteur, la flèche tension dans le sens contraire de courant. 3, U4, U2. Nous savons que la tension au bord d'un ampère-mètre est nulle. Représentation du sens du courant et les flèches tension. La deuxième question. Trouvez la valeur de la tension au bord de chaque dipôle et la valeur de l'intensité qui la traverse. Deuxièmement, déterminons les valeurs des tensions. On a déjà R1 et E1, donc on peut déterminer
U1. Appliquons la loi d'Ohm. U1 égale R1 fois I1. R1, 100 ohms, multiplié par I1 qui est égal à 100 divisé par 2, ce qui fait 50 milliampères. 10, 2, 10, 3, 10 moins 3, ce qui fait 5 volts. La tension U au bord du générateur est égale à la tension U1, donc U0 égale U1 égale 5 volts. U2 déjà donné est égal à 3 volts. Il nous reste à déterminer U3 et U4. Si on applique la loi d'additivité des tensions, U3 égale moins U2, là c'est 0, moins U2 plus U. On aura là la valeur de U3 en même temps qui est égale à U4. Qui est égale à 2 volts. Maintenant, déterminons les intensités courant et 1 et 2 sont déjà. Et 1 qui est égal à 50 milliampères, U2 qui est égal à 100 milliampères, la loi des nœuds, I3 plus I4 égale I2. Sachant que I3 égale 4 et 4, on peut remplacer I3 par 4. I4 plus I4 égale U2 implique 5 I4 égale U2. Donc, on aura là I4 qui est égal U2, 100 milliampères divisé par 5, ça va donner 20 milliampères. I3 qui est égal 4 fois 20. C'est 80 milliampères. Il nous reste maintenant à déterminer l'intensité principale fournie par le générateur. Donc, I égale I2 plus I1 implique que I principal égale I1 50, I2 100, ce qui fait 150 milliampères. C'est la plus grande intensité parce que c'est le générateur qui fait circuler le courant dans les différentes branches. On passe à la question suivante. Déterminer la valeur de toutes les résistances. Déterminons les valeurs des résistances qu'on a déjà R1 comme données. On va déterminer R2 en appliquant la loi d'Ohm. U2 égale R2 fois I2. Donc R2 égale U2 égale 3 volts divisé par U2, 100 milliampères. En appliquant la loi d'Ohm, U3 est égal R3 fois U3, donc R3 égale U3, c'est 2 volts, divisé par I3, 80 milliampères. Là, 10 moins 2, c'est 200 sur 8, 100 divisé par 4, ce qui fait 25 ohms. Il nous reste maintenant à déterminer R4. R4 égale U4 divisé par I4. U4, c'est 2 volts. I4 égale 20 milliampères. Là, on aura en haut 100, simplifié par 2. Donc, il est égal là à 100 ohm. Puis déduire la résistance équivalente du montage. Valeur de R équivalente. R3 et R4 sont en parallèle. 1 sur R3-4 qui est égal 1 sur 25 plus 1 sur 100. 1 sur 25, c'est 0,04. Plus 1 sur 100, c'est 0,01.
La somme, c'est 0,05, donc R équivalent, c'est l'inverse. 5, 10, moins 2, c'est 100 divisé par 5, implique R3,4 égale 20 ohms. On voit là que R2 est en série avec R3,4. Implique R2, 3, 4. C'est R2 plus la valeur qu'on vient de trouver là, c'est 20. Et R2, c'est 30, donc ce qui fait 50 ohms. La résistance de l'ampèremètre est nulle. Donc cette branche R2, 3, 4 est en parallèle avec R1. C'est 1 sur R1 plus 1 sur R2, 3, 4 est égal à 1 sur 100 plus 1 sur 50. C'est 0,01 plus 0,02, ce qui fait 0,03. L'inverse, c'est 100 divisé par 3. On obtient là à peu près 33,3 ohms. La dernière partie, on va en déduire la valeur de l'intensité principale du générateur. On a la flèche tension. U est égal à R équivalente fois l'intensité I implique. L'intensité principale est égale à la tension U qui est égale à 5 volts divisé par 33,3. 33,3, c'est 100 divisé par 3. On aura là 100 divisé par 3, ce qui fait multiplier par 3. 15 divisé par 100, c'est 0,15 ampères, qui est égal à 150 milliampères.